Bonjour, euh, chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes le premier dimanche du mois de juin. Et comme vous le savez, le mois de juin, c'est le plus beau mois de l'année. David Côte-Noire est d'accord avec moi, René Jacobson est d'accord avec moi, c'est le plus beau mois de l'année puisque... Ce sont, c'est le mois de nos anniversaires. Donc, je voudrais en profiter pour souhaiter à David un bon anniversaire. Il a eu sa fête il y a quelques jours et euh, René, son anniversaire, c'est demain. Donc, bon anniversaire à vous deux. Probablement d'autres personnes de l'Église fêtent aussi leur anniversaire euh, durant ce mois-là. Donc, je ne me souviens pas de tout le monde, mais je voudrais souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le mois de juin. Avant de commencer notre prédication de ce matin, j'aimerais vous euh, communiquer quelques nouvelles. Donc cette semaine, nous aurons trois réunions par Zoom. La première, c'est ce soir, la rencontre fraternelle que nous aurons. La deuxième, ce sera celle du mercredi soir. Et la troisième, ce sera la réunion du déjeuner de femmes. Donc on va le voir tout à l'heure à l'écran. Nous allons voir quelques annonces à l'écran. Donc voici la première annonce. La première annonce à l'écran, c'est celle de l'entraide. Dimanche dernier, vous êtes venus assez nombreux pour amener de la nourriture de 3h30, 15h30 à 16h30. Merci beaucoup. Nous avons déjà donné un panier à quelqu'un. Je vous rappelle donc que ce dimanche aussi, un frère sera là pour ouvrir l'église afin que vous puissiez déposer vos sacs de nourriture. Donc il s'agit d'une collecte de denrées non périssables. Pâtes alimentaires, bois de conserve, beurre d'arachide, Nutella, confiture, céréales, gruau, riz, pommes de terre en pot, de soupe, sauce, cafété, etc. Donc encore une fois, merci aussi d'avoir respecté les consignes de sécurité. On attend l'appel du responsable sur le parking de l'église. Si d'autres personnes sont avec vous, gardez la distance de 2 mètres. On vous demande aussi de porter un masque avant d'entrer et une personne à la fois va être autorisée à rentrer dans l'église par la porte de côté qui donne accès au sous-sol. Donc, merci beaucoup. Nous continuons la collecte des denrées le dimanche de 3h30 à h 4h30. Donc, comme je viens de le vous mentionner, nous aurons, ou plutôt elles auront, puisque ce sont nos sœurs qui auront un déjeuner virtuel. Alors, je me pose la question comment un déjeuner virtuel peut-il avoir lieu Surtout en rapport avec la nourriture, mais je suppose qu'à côté de l'écran, vous aurez votre tasse de café. Donc, déjeuner virtuel pour les femmes, samedi 13 juin à partir de 9h30 sur Zoom. Encore une fois, je vous rappelle que le bulletin, je vais vous l'envoyer en rentrant de l'Église. Et dans ce bulletin, vous allez voir plusieurs sujets de prière. Cette semaine, nous aimerions que vous puissiez prier pour notre frère Simon, le mari de Marie-Ève qui va commencer une, un troisième médicament pour, soigner son, pour traiter son épilepsie. Et on espère que cette fois-ci, le médicament va être le bon. Et euh, si c'était le cas, cela lui euh, éviterait probablement une opération. Yolande est encore à l'hôpital à Saint-Eustache, où elle fait des exercices pour marcher, et elle attend euh, pour se faire enlever un papillon qui avait été installé après son embolie. Donc, Monique Laroche est maintenant chez sa fille. Albert éprouve des difficultés dans sa santé. Il est en chaise roulante à la maison. Il perd quand même des forces. Prions pour Albert et Diane. Jean-Guy est encore à l'hôpital. Il s'est fait opérer pour un ulcère à l'estomac. Il reprend des forces. Donc, il y a un drain d'installé qui vide l'ulcère. On veut prier pour lui. Il est moins étourdi. Il a moins mal à la tête. Prions pour son épouse aussi. Vous euh, le savez, en cette période de pandémie, les conjoints ne sont pas autorisés à visiter ceux qui sont malades à l'hôpital. Donc, prions aussi pour notre frère Roger, qui a une hernie discale. Il est en arrêt de travail, il suit des séances de physiothérapie. Il a quand même un peu de difficulté à marcher à cause des douleurs au dos. Et il doit passer un examen euh, vendredi, un, ex un examen médical. Donc, prions pour lui. Et je vous rappelle aussi Pascal, le fils de Gisèle et Michel qui est atteint d'un cancer du pancréas stade 4 avec des lésions au foie. Donc prions pour pour toutes ces personnes et ceux que je n'ai pas mentionnés mais que nous retrouvons dans le bulletin. Je vous rappelle aussi en rapport avec nos annonces que nous avons toujours la possibilité d'écouter les émissions l'heure de la bonne nouvelle sur TV5. Donc euh, c'est une très très belle occasion de présenter l'Évangile, de présenter la bonne nouvelle de l'Évangile à nos contemporains. Et finalement, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité envers l'Église. Euh, cette semaine, euh, David, hier, m'a communiqué les résultats des offrandes. Donc c'est encourageant pour la semaine du 31 mai. Merci pour votre soutien et votre intérêt envers l'œuvre du Seigneur. Donc je voudrais, avant de commencer la prédication, avant que nous puissions ouvrir nos Bibles, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta grâce repose sur tous les êtres humains. Tu fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Tu fais briller ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Tu mets à la disposition de l'être humain une, une nature magnifique dont nous pouvons jouir. Et nous reconnaissons que c'est là l'objet de ta grâce, de ta sollicitude envers, euh, envers nous. Et nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants pour euh, ce beau temps que nous avons depuis quelques jours. Et Seigneur, reconnaissant pour la vie que tu nous donnes, nous voulons être reconnaissants pour la santé, pour le travail, pour la famille, pour les amis. Seigneur, nous pourrions faire une longue liste de toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet. Et en retour, Seigneur, nous voulons par reconnaissance te dire merci. Parce que nous, tes enfants, nous voyons ta main dans tout cela. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es avec nous aussi dans les épreuves et nous te prions pour toutes ces personnes que nous venons de mentionner, que tu mettes ta main sur elles. Alors qu'elles ne peuvent pas recevoir de visite à l'hôpital, nous te prions pour qu'elles puissent sentir d'une manière toute particulière ta présence. Et nous te prions pour elles pour que selon ta volonté, Seigneur, tu puisses les rétablir. Merci donc, Seigneur pour la générosité aussi des frères et des sœurs qui soutiennent l'Église. Merci parce que nous sommes fils et filles du royaume de Dieu et que nous avons à cœur ce royaume. Et merci Seigneur parce que c'est un privilège pour nous que de pouvoir être généreux envers ton œuvre. Donc maintenant, ce matin, nous te prions d'ouvrir notre cœur, de disposer notre cœur à ta parole, afin que tu puisses nous parler. Amen. Dimanche dernier, nous avons débuté une petite série sur un personnage bien connu de la Bible, Josué. Josué était le successeur de Moïse. Et nous avons vu au chapitre 1 que sa mission était de conduire le peuple dans le pays promis, à la conquête de Canaan. Et chausser les chaussures de Moïse n'était pas une mince affaire. Et le chapitre 1 est un encouragement afin que Josué puisse se fortifier et prendre courage. C'était le thème de l'enseignement de dimanche dernier. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous le chapitre 2 du livre de Josué. Et je l'ai intitulé, intitulé une confirmation divine. Et j'aimerais placer ce chapitre dans le contexte de la direction de Dieu. Dieu se présente dans l'Ancien Testament comme étant le bon berger. Dieu se présente dans l'Ancien Testament comme celui qui conduit ses brebis, qui conduit son peuple, qui nous dirige. Donc nous nous trouvons dans une situation où en tant que fils et filles de Dieu, nous voulons être conduits, dirigés par Dieu. Mais ce n'est pas toujours facile de discerner la volonté de Dieu. En rapport avec cela, j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans le Psaume 133, pardon, 139, les versets 23 et 24. Le psalmiste dit ceci. C'est une prière. Sens de moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, David euh, admet déjà que Dieu est son berger, et c'est la raison pour laquelle il lui demande de le conduire sur la voie de l'éternité. Mais David admet aussi. Par les paroles suivantes, regarde si je suis sur une mauvaise voie. David admet que nous pouvons nous tromper et que, dans un sens, discerner la volonté de Dieu n'est pas toujours un processus aussi simple que cela. Je me souviens, lorsque j'étais pasteur à Sainte-Rose, j'avais accepté ce ministère avec une rémunération inférieure à l'échelle salariale en vigueur dans l'association et après quelques années l'église a connu des difficultés au point où euh, cette communauté ne pouvait euh, nous donner simplement que les deux tiers du salaire et nous nous sommes placés marie france et moi devant dieu en disant seigneur seigneur euh, il va falloir que tu agisses, tu interviennes, si tu veux que nous restions à l'église de Sainte-Rose. Car effectivement, avec les deux tiers du salaire, pour pouvoir soutenir une famille de cinq, c'était pratiquement impossible. Donc nous avons prié, nous avons dit au Seigneur, écoute Seigneur, conduis-nous, montre-nous si nous devons rester ici ou si tu veux qu'on aille ailleurs. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Oh, ça aurait été très facile d'un point de vue humain de dire, bien L'Église n'a plus les moyens de, de payer un salaire, donc nous allons changer de ministère. Ça aurait été une réponse humainement euh, tout à fait normale. Mais nous voulions marcher dans les voies de Dieu. Et le Seigneur nous a conduits, le Seigneur nous a dirigés, le Seigneur a confirmé dans notre vie sa direction. Et je me rappelle après plusieurs mois euh, d'attente, puisque Marie-France avait avait dit, moi je suis prête à retourner travailler pendant quelques temps euh, pour donner à l'Église l'occasion de de se stabiliser et avant que l'Église puisse de nouveau euh, te payer un salaire euh, complet, Marie-France m'avait dit, bien moi je suis prête à travailler. Mais pendant plusieurs mois, Marie-France n'a pas trouvé de travail. Et euh, à un moment donné, je lisais dans le chapitre 40 d'Ésaïe. Et à travers cette lecture, le texte m'a rappelé, rappelé que Dieu était souverain. Et que même si nous étions obligés de mettre sur la carte de crédit certaines dépenses, pour des dépenses quotidiennes, eh bien Dieu m'a rappelé qu'il était souverain. Et à ce moment-là, je me souviens très très bien que devant Dieu, je lui ai dit Puisque tu es souverain, Seigneur, je, je te confie toute la situation. J'abandonne toute la situation entre tes mains. Et après avoir fait ce genre de prière à Dieu, le dimanche suivant à l'église, une sœur est venue en disant à Marie -France, « Marie-France, je connais quelqu'un qui euh, a besoin, qui veut engager une personne euh, selon les compétences que tu as. Voici ses coordonnées. » Marie-France est allée passer entrevue. Et elle a, vu, elle, a eu, elle a obtenu le travail. Dieu, à travers sa parole, nous avait parlé, et Dieu, à travers sa parole, a confirmé la direction que nous avions prise, c'est-à-dire de rester à l'église de Sainte-Rose. Et non seulement il a confirmé par sa parole, mais il l'a confirmé aussi dans le concret, dans notre vie de tous les jours, en permettant à Marie-France d'obtenir ce travail qu'elle a gardé pendant une couple d'années. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous le chapitre 2 de Josué. Je l'ai intitulé Une confirmation divine. Probablement que chacun d'entre nous, nous avons, dans certaines circonstances de notre vie, besoin de confirmation divine. Et c'était le cas pour Josué. Et j'aimerais présenter cette prédication ce matin autour de trois axes. Le premier, c'est la mission de reconnaissance que Josué confie à deux espions. Euh, le peuple devait rentrer en Canaan. Et pour rentrer en Canaan, le premier obstacle qui se dressait devant eux, c'était la ville fortifiée de Jéricho. Et euh, Josué a donc pris la décision d'envoyer deux hommes en reconnaissance. Le deuxième élément dans, dans ce texte, deuxième... Euh, grande section que j'aimerais vous présenter, c'est l'attitude surprenante de Rahab, Rahab qui tient une maison de prostitution. Et cette femme a une attitude tout à fait surprenante face à Dieu, face au peuple d'Israël. Et c'est ce que nous allons voir. Ensuite, nous allons regarder en dernier élément, l'accord qui a eu lieu entre les deux espions et Rahab. Si vous connaissez déjà l'histoire, vous allez voir que euh, Rahab a fait une demande aux espions, une demande qui a été acceptée, afin qu'elle et sa famille puissent avoir la vie sauve lors de la prise de Jéricho. Alors, trois, trois pivots, trois éléments, trois blocs dans ce texte pour nous amener... À la toute fin du chapitre, à une confirmation de Dieu en ce qui a trait à la mission que Josué avait reçue du Seigneur. Alors je vous invite à regarder tout d'abord la première section qui débute au verset 1 jusqu'au verset 5. Donc lisons ensemble Josué chapitre 1, versets 1 à 5. De Shittim. Josué, fils de Nun, envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors, il envoya dire à Rahab, livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha. Puis elle répondit, effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre. Car vous pouvez encore les rattraper. Alors voilà, ces quelques versets nous présentent la mission de reconnaissance que Josué confie à deux espions. Et le verset premier nous décrit cette, cette, cette situation. Donc le verset premier se situe dans le contexte où Josué à un défi devant lui. Et j'aimerais euh, réfléchir quelques instants à ce genre de défi qui se retrouvait devant Josué. Alors Josué devait conquérir le pays de Canaan. Le pays de Canaan était formé de villes fortifiées, avec des, des armées solides. 40 ans auparavant, les douze espions avaient visité le pays, avaient reconnu que c'était un pays d'abondance, mais un pays avec de grandes villes, pour l'époque, fortifiées, solides. Donc, prendre ce pays voulait dire que le peuple d'Israël devait mettre le siège devant des villes fortifiées. Et en fait, ce que nous voyons dans ce passage, c'est que la mission de reconnaissance, ou la mission plutôt euh, confiée à Josué, s'accompagne d'un défi. Et c'est souvent le cas avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous dit, allez à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre et soyez mes témoins, c'est une mission que le Seigneur nous confie, mais elle s'accompagne d'un défi. Et nous nous rappelons certainement des paroles du Christ qui nous dit, s'ils m'ont persécuté avant vous, ils vous persécuteront aussi. Donc bien souvent, quand le Seigneur nous confie des missions, ces missions s'accompagnent d'un défi. Et c'était le cas pour Josué. Alors, Jéricho. Jéricho, si vous regardez quelques notes, ou les notes qui se trouvent dans votre Bible, ou dans vos Bibles, si vous avez des Bibles d'études, vous allez voir que Jéricho est une ville fortifiée, très ancienne. Située à environ huit kilomètres à l'ouest du Jourdain, à l'intérieur de Jéricho, ou plutôt Jéricho était alimentée par des sources d'eau qui permettaient à sa population de soutenir un éventuel siège qui pourrait durer fort longtemps. Elle avait aussi de très fortes murailles, et le peuple ne pouvait pas décider de contourner Jéricho pour aller. Euh, envahir Canaan, puisque Jéricho se trouvait à l'entrée du pays promis. Le peuple ne pouvait pas esquiver le défi qui était devant lui. Et c'était un formidable défi. Donc, que faire Que faire lorsque nous nous trouvons devant un défi Que faire lorsque le Seigneur nous confie une mission et que nous trouvons devant un défi. Eh bien, Josué a pris une initiative. Et je vous invite à regarder un petit peu avec moi cette initiative, toujours au verset premier. Josué décide d'envoyer des espions. Alors, le texte biblique ne nous dit pas tout. Il y a des détails qu'on aimerait bien avoir. Est-ce que Josué a prié avant d'envoyer des espions Le texte ne le dit pas. Le texte nous dit simplement au chapitre 1 que Dieu conseille à Josué de garder sa parole près de son cœur pour qu'il pour qu ait du succès dans ce qu'il va entreprendre. Donc j'imagine que Josué était près de Dieu et Josué a fait preuve d'initiative, même si c'est Dieu qui dirige. Dieu nous demande, dans ce que nous vivons, de prendre des initiatives puisque nous sommes des êtres responsables, non pas des êtres autonomes mais des êtres responsables. Et c'est un petit peu ce que dit David dans le verset que je vous ai lu au tout début. Si je marche sur une mauvaise voie, conduis-moi dans la bonne voie. Seigneur, parfois je prends des initiatives qui me semblent bonnes, qui me semblent venir de toi, mais si ce n'est pas le cas, Seigneur, corrige-moi afin que je puisse marcher dans la bonne voie. Donc, Josué... Prend une initiative, mais il prend cette initiative d'envoyer euh, des espions dans un cadre, celui que nous avons examiné au chapitre précédent. C'est dans ce cadre-là que Dieu parle à Josué en lui, en lui disant Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage en obéissant la parole de Dieu et en gardant cette parole dans ton cœur, dans ta bouche, que tu puisses la méditer afin de la mettre en pratique. Voilà un petit peu le contexte dans lequel Josué prend ses décisions. Alors c'est certain que si nous voulons prendre des initiatives, si nous voulons prendre des décisions en dehors de ce contexte, cela se pourrait très bien que nous nous éloignions de la volonté de Dieu. Mais Josué... Une décision, prend une décision, prendre l'initiative dans le contexte du chapitre 1er. Dernier élément en ce qui a trait à cette initiative de Josué, c'est le principe, c'est le titre que, ou l'appellation que je lui donne, c'est le principe des portes ouvertes. Vous savez, souvent on attend, on attend que Dieu se manifeste en écrivant dans le ciel sa volonté. Ou bien souvent... C'est le cas dans certains milieux évangéliques, pas dans tous, mais dans certains milieux peut-être un petit peu marginal. On a tendance à croire que nous devons prier, 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 prier pendant des jours pour que Dieu nous communique d'une manière surnaturelle sa volonté. Et tant qu'on n'entend pas la voix de Dieu d'une manière claire, nous devons continuer à prier. Je crois plutôt que l'expression de la volonté de Dieu se fait au travers d'un. Processus. Ce processus se situe dans un cadre, un cadre dans lequel nous obéissons la parole de Dieu, nous gardons la parole près de notre cœur, et nous prenons de l'initiative selon la sagesse que Dieu nous donne. Mais tout en prenant ces initiatives, nous prions le Seigneur en disant Seigneur, ouvre des portes pour nous montrer que c'est là par là que nous devons entrer. Ouvre des portes pour nous confirmer ta volonté. Donc, le processus de reconnaissance de la volonté de Dieu se fait à la fois dans une relation que nous avons avec Dieu et une dépendance vis-à-vis -vis de Dieu, mais en même temps au travers d'un processus qui nous amène à prendre certaines décisions, mais tout en plaçant ces décisions devant Dieu pour que si jamais Dieu veut faire des corrections, il puisse les faire. Et en disant à Dieu, Seigneur, à chaque pas que je prends, j'aimerais, je voudrais que tu confirmes que je marche sur ton sentier. Et c'est un petit peu ce que Jésus a fait. Il devait, c'était sa mission, conquérir Canaan. Mais conquérir Canaan, ça ne voulait pas dire qu'il allait s'asseoir de manière passive en attendant que Dieu lui communique du haut du ciel sa volonté. Il prend des initiatives dans un cadre biblique que nous venons de préciser. Et en même temps, il teste pour savoir si Dieu ouvre les portes. Il envoie donc ses deux espions à Jéricho. Et dans la troisième, troisième élément de cette section, là, sur la mission de reconnaissance, nous voyons que les deux espions eux-mêmes, au verset, premier verset, partent et ils prennent aussi une initiative. Et cette initiative nous surprend. Il décide d'aller dans une maison de prostitution franchement, euh, si moi j'avais été à la place des deux espions, ce n'aurait peut-être pas été mon option. C'est vrai que aujourd'hui nous avons des journaux de la télévision, des mass médias. ce n'était pas le cas à l'époque et les espions ont dû se dire quel est l'endroit à jéricho? où nous pourrions tâter le terrain pour accomplir notre mission, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à Jéricho, pour connaître un petit peu l'état d'esprit de la population. Mais on ne peut pas aller au palais du roi. Se présenter au palais du roi, c'est évidemment impossible. Sur la place du marché, peut-être que ça serait difficile. Il semble qu'il soit rentré donc avant la tombée de la nuit à Jéricho. Ils se sont dit que l'endroit idéal pour obtenir de l'information, ce serait une maison de prostitution. Une maison de prostitution qui a l'habitude certainement de recevoir toutes sortes de clients, pas simplement des gens de Jéricho, mais peut-être aussi des gens qui proviennent d'autres villes de Canaan. Et c'était certainement un lieu privilégié pour obtenir de l'information. Et ce qui est aussi surprenant dans ce récit, c'est que Dieu va conduire ces deux espions et va faire en sorte que ces deux espions vont accomplir leur mission et ils vont recevoir une confirmation divine, même si ces deux espions se rendent dans une maison de prostitution. Surprenant de voir comment Dieu parfois peut nous diriger. Alors le texte ne nous dit pas si les deux espions avaient l'intention de louer les services d'une dame. Non, ce n'était pas, je crois, l'intention de ces deux espions-là. Leur intention était d'obtenir de l'information. Alors voilà, nous venons de regarder la mission de reconnaissance que Josué confie à ses soldats. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous la réaction ou l'attitude de... Rahab, verset 2 à 7. L'attitude de Rahab, verset 2, ou plutôt, euh, pas verset oui, verset 2 à 7. Verset 2. En prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha, puis elle répondit Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous des poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit, en terrasse, de sa maison, et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au guet du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Alors, le témoignage du Nouveau Testament, le témoignage du Nouveau Testament, nous présente Rahab comme une femme de foi. La première référence à Rahab se trouve dans le premier chapitre de Matthieu au verset 5. Ce chapitre qui débute l'évangile par la généalogie de Jésus. Et dans cette généalogie de Jésus, cinq femmes sont citées, dont Rahab. Vous savez qu'à l'époque la généalogie passait par le père. Et pourtant, cinq femmes exceptionnelles sont citées, et une d'entre elles c'est Rahab, une prostituée, une étrangère. Et bien dans son humanité, Jésus descend d'hommes et de femmes qui sont Pêcheurs. Mais la deuxième référence arabe, nous la retrouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 31. Donc j'aimerais lire avec vous ce chapitre 11, verset 31. Euh, vous vous souvenez certainement que le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est la description des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui ont soit accompli des, des exploits, donc qui au point de vue humain ont eu du succès, ou soit qui ont été persécutés à cause de leur foi. D'un point de vue humain, de persécuter, c'est peut-être moins intéressant, mais aux yeux de Dieu, ceux qui ont eu du succès d'un côté et ceux qui ont été persécutés de l'autre sont tous les deux, font partie des hommes et des femmes de foi. Donc chapitre 11, verset 31. Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants vers Dieu, c'est-à-dire les habitants de Jéricho, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Donc il est clairement question dans ce passage de la foi de Rahab qui était une foi agissante, puisqu'elle a accueillit avec bienveillance les deux espions. Maintenant, la troisième référence à Rahab se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 25. Au chapitre 2, verset 25 et même 26. Alors avant de le lire, j'aimerais euh, préciser une chose. C'est que le livre de Jacques met l'accent sur la foi en action. Et Jacques est en train de dire que si nous avons la foi, notre foi va se démontrer par notre action. Lisons le verset 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Or nous avons ce verset 25 qui est surprenant. Elle a été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes. Eh bien, des théologiens ont souligné la différence entre Jacques et Paul. Paul nous dit dans Romains que nous sommes justifiés par la foi. Et ici, Jacques nous dit que cette femme a été justifiée par ses actes. Est-ce que les deux auteurs se contredisent Eh bien, le verset 26 remet les choses dans la perspective, puisque Jacques nous dit, la foi sans les actes est morte. Donc, ce que Jacques est en train de dire, c'est que tu es justifié par tes actes, mais tes actes qui proviennent de la foi, puisqu'il nous dit, la foi sans les actes est morte. C'est-à-dire que les actions que nous posons doivent venir d'une foi. C'est-à-dire, et la foi et les actions vont main dans la main. C'est-à-dire que tu es sauvé par, par tes actes, si tes actes viennent de ta foi. C'est ce que Jacques soutient, même s'il met beaucoup plus l'accent sur les œuvres, que l'apôtre Paul. Donc nous sommes sauvés par la foi mais par une foi qui accomplit des œuvres. Donc en quelque sorte, nous sommes sauvés par la foi et les œuvres qui découlent de cette foi. Donc Paul et Jacques ne sont pas nécessairement en contradiction l'un avec l'autre. Au verset 2 et 3, verset 2 et 3, nous avons le récit de la requête du roi. Donc le roi apprend que des espions sont entrés à Jéricho. Comment le roi l'a-t-il appris Le texte ne le précise pas. Mais toujours est-il, le roi demande, probablement par l'intermédiaire de ses soldats, demande à Rabe de livrer ses hommes livrer ces hommes qui sont venus loger dans la maison de rahab donc les espions ont été reconnus et comme dans tout texte narratif nous voyons tout de suite surtout si nous lisons le texte pour la première fois que l'intrigue se, se développe qu'est-ce qui va se passer les espions ont été identifiés le roi veut les arrêter que va-t-il se passer L'arrestation est donc imminente. Le roi le sait que ces deux hommes-là se sont rendus dans la maison de Rahab, dans la maison de la prostituée. Donc l'arrestation est imminente et le lecteur pourrait tout de suite tirer la conclusion que les jeux sont faits, que les deux espions vont être arrêtés. Et si vous lisez ce texte pour la première fois et que vous êtes chrétien, vous vous dites certainement, vous posez la question, mais qu'est-ce que Dieu va faire Est-ce que Dieu va permettre l'arrestation de ces hommes Qu'est-ce que Dieu va faire Eh bien, les versets 4 à 7 nous présentent la réponse de Rahab. Et les versets 4 à 6 nous précisent euh, que Rahab a caché les espions. Probablement qu'elle a vu venir les soldats, ou qu'elle s'en est doutée, ou qu'elle a eu le temps de les cacher. On n'a pas tous les détails de l'histoire, mais toujours est-il qu'elle les cache sur son toit, sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées, donc euh, sur, ce même, sur ce même toit. En fait, le passage ne nous dit pas que les soldats ont fouillé la maison. Probablement, probablement que Rahab avait de bonnes relations avec les soldats. Probablement, elle avait de bonnes relations avec peut-être même le roi, ou en tout cas, sa maison de prostitution était connue. Probablement, elle était même acceptée. Donc, le texte ne précise pas si la maison a été fouillée, mais le texte donne l'information suivante. Rahab a caché les espions. Et Rahab ment au verset 4. Elle dit à ses soldats, effectivement, des hommes sont venus chez moi. Donc ça, c'est vrai. Mais j'ignorais d'où ils étaient. Est-ce que ça, c'est vrai Si c'était vrai, elle ne les aurait peut-être pas cachés. Donc probablement, elle a dû, elle aussi, les reconnaître. Mais le verset 5 précise, comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Ça, c'est faux. Je ne sais pas où ils sont allés. Ça, c'est faux. Dépêchez-vous de les poursuivre car vous pouvez encore les rattraper. Non seulement elle ment, mais elle aiguille les soldats dans une mauvaise direction. Elle encourage les soldats à les rattraper. Et c'est exactement ce que les soldats ont fait. Ils sont sortis de la ville. Dès qu'on a quitté la ville, on a fermé les portes derrière eux. Et ils se sont dépêchés de, de, de se diriger vers les guets du Jourdain. En suivant le chemin que les espions auraient probablement pris pour passer de nouveau le Jourdain et aller voir Jéricho. Donc les soldats se sont dit on va les rattraper et on va les empêcher de traverser le Jourdain. Donc cette femme ment, mais elle ment avec habileté. Et évidemment, les soldats croient la parole de Rab. Alors si vous voulez. Réfléchir sur le sujet suivant, est-il permis pour un chrétien de dire des mensonges dans certains cas extrêmes Eh bien, vous pourriez faire allusion à ce texte. Alors, ce n'est pas le but ce matin de répondre à cette question. Simplement, faire une petite parenthèse que je me dépêche de fermer pour ne pas me détourner de mon sujet. Troisième section de ce texte. C'est la description de l'accord de Rahab avec les espions, à partir du verset 8 jusqu'au verset 21. Alors, je vais le lire par petites sections. Verset 8 à euh, 11. Verset 8 à 11. « Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit... Verset 9. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, verset 11, le cœur nous manque, et personne, personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et ici bas sur la terre. La foi de Rahab. Ces paroles nous décrivent la foi de Rahab dans le Dieu des Israélites. La foi de Rahab prend racine dans ce qu'elle affirme au verset 10. La foi de Rahab vient de ce qu'elle a entendu. Verset 10, nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux quand vous êtes sortis d'Égypte pour traverser la mer. Et nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens. Donc, ce que Raab est en train de dire aux espions, c'est que sa foi repose sur ce qu'elle a entendu. Nous nous souvenons tous de ce que Paul nous dit dans Romains, au chapitre 10. La foi vient de ce qu'on entend. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de parler de lui, de témoigner de lui. C'est à partir de notre témoignage que nos contemporains vont pouvoir... Euh, placer leur confiance dans un Dieu qu'ils ne connaissaient autrement pas. La source de sa foi repose donc dans ce qu'elle a entendu. Le verset 9 nous dit aussi ceci. Elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Alors elle connaît la promesse de Dieu. Probablement que... Euh, les gens de Jirico, puis les gens de Canaan devaient connaître la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël. Euh, connaître la promesse ne signifie pas que les peuples de Canaan y croyaient. Probablement que la plupart d'entre eux disaient « Oui, oui c'est leur Dieu qui, les, qui leur a promis le pays de Canaan, c'est ce qu'ils disent, mais nous, on va résister et on va leur montrer que nos dieux à nous sont plus forts que leurs dieux à eux. » Mais ici, quand Rahab, au verset 9, nous précise qu'elle sait que l'Éternel leur a donné ce pays. Elle le sait, mais elle y croit. Et c'est parce qu'elle y croit qu'elle a décidé de cacher ses espions. Sa foi l'a poussée à l'action. Alors non seulement elle a entendu parler de ce que Dieu a fait au milieu du peuple d'Israël, mais elle arrive au verset 11 à une confession de foi. C'est la dernière partie du verset 11. Regardez ces belles paroles. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et ici bas sur la terre. Elle reconnaît la souveraineté de Dieu. Elle reconnaît le règne de Dieu. Et c'est parce qu'elle reconnaît ce règne qu'elle accepte, que sa foi s'est démontrée par des actions. Alors le témoignage de Rahab m'interpelle parce que nous disons nous que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, que nous avons été sauvés de nos péchés en Jésus-Christ. La question qui m'est posée aujourd'hui et qui nous est posée à chacun d'entre nous, c'est la suivante comment notre foi se manifeste-t-elle dans notre Quotidien. Ce texte nous présente un paradoxe au verset 9. L'attitude de Rahab d'une part et l'attitude des habitants de Jéricho d'autre part. Verset 9, le texte dit la terreur s'est emparée de nous. Et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Ça, c'est une information capitale pour les espions. La terreur et la panique a saisi les habitants de Jéricho. Et en fait, nous voyons aussi dans le reste de, du récit de la conquête qu'à quelques reprises, le Seigneur euh, remplit de terreur les ennemis d'Israël. Et c'est le cas ici. Et non seulement... La terreur, la peur les saisissent, mais cette peur a une conséquence au verset 11. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, dira Ab, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. Nous pouvons avoir peur. Dans le livre de Samuel, il est question des Philistins qui vont en guerre contre Israël et Israël pousse des cris des clameurs, ils avaient fait venir l'arche de l'alliance au sein du camp. Et à l'écoute de tout ce vacarme, les Philistins ont eu peur et se sont dit, malgré notre peur, prenons courage, peut-être que nous allons être victorieux. En tous les cas, ce n'est pas la nuance que nous retrouvons ici au chapitre 2 de Josué. La terreur les prend, mais au lieu de se dire, ben... On va rassembler notre courage et faire ce qu'on peut. Rahab précise que personne n'a plus le courage de tenir tête au peuple d'Israël. Il s'agit donc d'une information capitale pour les espions envoyés par Josué. De connaître le moral des troupes adverses est une information. Extrêmement importante. Le, cette section nous présente, à partir du verset 12, euh, l'accord qui a été passé entre Rahab et les espions, Verset 12 et 13. Et nous allons lire donc par petits blocs, versets 12 et 13. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et mes sœurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Dans ces deux versets, nous lisons la demande que Rahab exprime aux espions, mais nous voyons aussi que. La foi de Rahab va avoir de l'impact non seulement sur elle, mais sur toute sa famille. Et ça, c'est intéressant pour nous, chrétiens, de voir que notre foi, ta foi, ma foi, peut avoir de l'impact sur ceux qui m'entourent. En fait, nous savons que sa famille a été protégée lors de la prise de Jéricho, et que Rab et toute sa famille ont intégré le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle. Dans la généalogie de Jésus, nous voyons que le nom de Rahab s'y retrouve. Donc Rahab fait sa demande et les espions lui répondent au verset 14, nous allons lire le verset 14 et les versets 17 à 20, voici ce que les deux hommes lui répondirent. Notre vie, verset 14, répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Et le verset 17. Les deux hommes lui dirent, Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Verset 18. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères, toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort, et nous en serons innocents. Évidemment, si quelqu'un de la famille quitte la maison, comment le peuple d'Israël pourrait-il reconnaître que ces gens-là appartiennent à la famille de Rahab Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Alors les deux espions euh, ne sont pas encore sortis de Jéricho. Sarah, bien sûr, Rahab, bien sûr, les a cachés, mais ils ont encore besoin de Rahab. Il ne faudrait pas que, à la sortie de Jéricho, Raab change d'idée, prévienne le roi et que les soldats les poursuivent et qu'ils se fassent rattraper. Donc, c'est la raison pour laquelle, à deux, à deux occasions, les espions répètent cet engagement entre nous-là. Tu ne dois pas le divulguer. Les versets 15 à 16 nous rapportent la, fu la fuite des espions, mais les espions donc quittent euh, Jéricho. Mais les espions quittent Jéricho en suivant le conseil de Rahab. Non seulement Rahab a aiguillé les soldats dans la fausse direction, mais le texte nous dit ceci. Verset 15. La maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle pour échapper à ceux qui vous poursuivent et cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. Alors le conseil de Rahab est tout à fait logique avec euh, les paroles qu'elle a, qu a prononcées euh, envers les soldats qui venaient arrêter les espions. Elle a dit aux soldats, les deux espions ont quitté la ville et se dirigent vers le guet du Jourdain. Et maintenant qu'elle parle aux deux espions, elle dit aux espions, n'essayez pas de repasser le Jourdain tout de suite. Parce que les soldats sont dans cette région-là. Ils, ils vous cherchent. Donc allez plutôt dans la direction opposée, restez dans les collines pendant trois jours, et au bout de trois jours, probablement que les soldats vont arrêter de vous chercher aux alentours du Jourdain, et ils vont rentrer à Jéricho. Et à ce moment-là, vous, vous pourrez passer le Jourdain pour retrouver le peuple d'Israël. Voilà l'accord passé avec Rahab. Versets 22 et 24 sont les deux versets que j'aimerais vous présenter comme conclusion 22 et 24. Alors lisons-les ensemble. Verset 22. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tèrent cachés pendant trois jours jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver, donc le long de la route de Jéricho au Jourdain. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines, traversèrent le Jourdain, ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Pour reprendre l'image de la porte, je vous ai parlé de la volonté de Dieu, du discernement de la, de, de la volonté de Dieu. Et j'ai mentionné cette, cette image de la porte. Seigneur, nous nous trouvons dans des situations parfois difficiles. Nous voulons faire ta volonté, mais nous ne savons pas exactement comment nous diriger. Donc, Seigneur, aide-nous. Mais Seigneur, parce que tu nous as créé des êtres responsables, tu nous demandes de prendre des initiatives. Mais Seigneur, je sais que en prenant des initiatives, je peux me tromper. C'est pour ça que David dit "Si je marche sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la bonne voie." La porte la porte s'ouvre. Et quand nous prenons des initiatives dans un esprit de prière, sans savoir exactement par quelles étapes Dieu va nous diriger et que Dieu ouvre la porte, au moins nous savons que cette étape est la bonne. Et de nouveau peut-être nous allons nous retrouver devant une deuxième et une deuxième autre porte. Et nous allons peut-être encore faire preuve d'initiative tout en priant le Seigneur de nous ouvrir la porte si c'est sa volonté. Et quand la deuxième porte s'ouvre, nous savons qu'à ce stade-là, nous pouvons avancer de nouveau et de porte en porte, Dieu nous guide et nous communique sa volonté. Cette illustration des portes qui s'ouvrent présuppose que nous gardons une relation étroite avec Dieu, que nous sommes en communion avec Dieu. Bien sûr, si Dieu écrivait dans le ciel sa volonté, ah ben là je la sais, oh, je n'ai plus besoin d'être en communion avec Dieu. Dieu m'a tout révélé d'un seul coup, d'une manière magique. Mais non, comprendre la volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu, c'est souvent un processus au sein duquel Dieu nous accompagne et nous restons en communion avec lui. Dieu ouvre les portes au fur et à mesure que nous prenons les initiatives qui dépendent de nous. Donc la porte s'ouvre. Le verset 22 nous dit donc que les hommes ont gagné les collines, ils sont restés trois jours, et quand la patrouille a fini de les chercher sans succès, eh bien les trois hommes, à leur tour, euh, se dirigent vers le Jourdain, le traversent et vont voir Josué. Et au verset 23, nous avons donc le, le retour des espions euh, qui viennent faire un rapport à Josué. Et euh, les espions racontent à Josué la manière dont Dieu les a conduits. La manière dont Dieu a ouvert les portes. Et ça a dû être un rapport rempli d'excitation et de joie. Un peu comme quand Paul et Barnabas rentrent de leur voyage missionnaire, font un rapport à l'église de Jérusalem de ce que Dieu a fait dans leur voyage missionnaire. Ça a dû être un moment rempli de joie. Et le verset 24 nous présente la conclusion dans les paroles de Josué. Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Dieu... Au travers de cet épisode, donne une confirmation divine de la mission qu'il a confiée à Josué. Josué, je te confie une mission, celle d'aller à la conquête du pays promis. Mais cette conquête va se faire dans une communion avec moi. Je vais te guider pas à pas. Je vais te confirmer pas à pas. La décision prochaine que tu dois faire. Je ne te donne pas le plan de match pour dix ans à l'avance. Je vais te montrer jour après jour là où je te conduis. C'est un peu ce que fait le bon berger. Hein. Le bon berger conduit ses brebis et au fur et à mesure que les jours passent, le berger répond aux besoins des brebis. Le berger ne fait pas une réunion de membres pour tous les brebis en leur disant Voilà le plan de match et vous allez savoir exactement qu'est-ce que je vais faire pour les six prochains mois. Le berger nous conduit jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Et à chaque jour, Dieu va ouvrir les portes qui sont nécessaires. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation où vous avez des décisions à prendre. Vous ne connaissez pas l'avenir. C'est important de prendre certaines décisions. Vous hésitez peut-être. Mais restez dans le cadre dans lequel Josué se trouvait. Être en communion avec Dieu, obéir à Dieu, lire sa parole, imprégner de sa parole, prenez des initiatives. N'ayez pas peur de prendre des initiatives tout en demandant à Dieu de fermer les portes. Si ce n'est pas sa volonté. Et si vous lisez la parole de Dieu, si vous êtes près de Dieu, les initiatives que vous allez prendre reflèteront cette communion avec Dieu. Ce, ces initiatives ne seront pas des initiatives contraires à l'esprit de la parole de Dieu. Vous allez prendre des initiatives parce que vous êtes, je suis, des êtres, nous sommes des êtres responsables. Mais Dieu, c'est lui qui va ouvrir la porte et c'est lui qui nous dirige. Porte après porte. Je me souviens en 1990, alors que nous avions donné notre démission de l'église de Châteauguay et que l'école biblique d'Emmaüs voulait nous accepter comme professeurs, mais tout était en processus. Alors nous avons pris l'initiative. Nous avons correspondu avec l'école biblique qui nous avait envoyé une, une première lettre. Nous n'avons pas attendu que Dieu nous écrive dans le ciel qu'est-ce qu'il fallait faire. Nous avons répondu à l'école biblique, à la lettre. Nous avons prié pour que Dieu ouvre les portes, c'est sa volonté. L'école biblique nous répond, nous faisons un échange de correspondance. Par la suite, l'école biblique nous invite, m'invite en Suisse à Emmaüs pour enseigner pendant une semaine. Bon, ben le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que nous allions à l'école biblique Il fallait vendre notre maison. Et à l'époque, c'était la crise de Oka. Il y avait les barrières. On habitait à Châteauguay. Euh, les Mohawks fermaient l'accès au Pont Mercier. Et là, on se disait, Seigneur, mais si tu veux qu'on aille en Suisse, il faut qu'on vende la maison. Et à l'époque, il y avait deux ou trois fois plus de maisons sur le marché que d'habitude. On n'a pas pris d'agent. On a mis une petite annonce dans le journal. Et on a mis une petite pancarte. Quelques jours après, un couple vient, visite la maison, décide de l'acheter. Un vrai miracle. Le Seigneur ouvre les portes. Ah, Seigneur, tu viens d'ouvrir cette porte? Est-ce que ça veut dire que tu vas ouvrir la suivante Peut-être. Pas nécessairement. Nous allons voir. La porte suivante, eh c'était l'autorisation de la Suisse d'immigrer. Et le mois de juin est venu nous avons dû sortir les meubles de la maison nous n'avions pas de réponse de la Suisse nous avions mis nos meubles en, euh, en storage chez des amis, dans les sous-sols des, des chrétiens de l'église. Et nous gardions les maisons des chrétiens quand ils partaient en vacances, nous allions camper. Nous ne savons pas, nous ne savions pas où nous allions. Nous attendions la réponse de la Suisse, c'était en quelque sorte la dernière porte qui s'ouvrait. Seigneur, est-ce que tu veux qu'on aille en Suisse Est-ce que tu veux ouvrir jusqu'à la dernière porte Mais en ayant un certain doute, nous avions commencé au mois de juin à avoir des contacts avec l'église de Sainte-Rose et euh, nous avons attendu jusqu'au mois d'août, l'école recommençait. Et les enfants n'allaient pas à l'école, nous ne savions pas où nous allions habiter. Et j'avais téléphoné au directeur de l'école publique en disant, écoute, nous, j'aime pas mettre des dates devant Dieu, mais écoute, si on n'a pas de réponse de la Suisse le 31 août, on vient pas. Mais j'étais mal à l'aise avec ça. Parce que si la réponse de la Suisse était positive et venait le 1er septembre, Qu'est-ce que j'allais faire Et là, je priais Dieu, je dis Seigneur, donne-nous la réponse avant le 31 août, s'il te plaît. Et le dernier mercredi du mois d'août, la réponse est venue des autorités suisses qui ne nous donnaient pas le droit d'immigrer en Suisse pour enseigner à l'école publique d'Emmaüs. Et en quelques jours, nous avons été acceptés comme pasteurs à l'église de Sainte-Rose. Toutes les portes s'étaient ouvertes, sauf la dernière. À la dernière porte, le Seigneur l'a laissé fermer, mais il nous a montré une autre porte pour que nous allions non pas en Suisse, mais que nous puissions rester au Québec pour exercer un ministère pastoral à l'église de Sainte-Rose. Dieu veut nous conduire pas à pas. À chaque étape, il y a des portes. Si le Seigneur ouvre la porte, c'est qu'il veut que tu passes par là. Mais si le Seigneur veut que tu veux fermer la porte, c'est qu'il veut peut-être que tu bifurques. Discerner la volonté de Dieu, c'est un processus. Et au travers de ce processus, Dieu confirme ou Dieu dit non. Et dans le cas de Josué, Dieu encourage Josué, confirme à Josué qu'il faut aller de l'avant car la population, elle est prise de panique. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que nous voyons ici un Josué qui euh, prend des initiatives et que tu guides. Un Josué qui est conduit par toi. Un Josué qui est convaincu que tu as aussi conduit les espions. Que tu les as amenés dans cette maison de prostitution. Un choix tout à fait surprenant pour nous. Et Seigneur, que tu as conduit ces deux espions vers cette femme, Rahab, une prostituée qui avait foi en toi. Donc Seigneur, lorsque tu ouvres les portes et que nous cherchons ta volonté, tu confirmes la direction que tu veux que tes enfants prennent. Seigneur, aide-nous, aide-nous à mieux comprendre comment discerner ta volonté dans notre vie quotidienne. Et non seulement dans les petites choses, mais aussi dans les grandes décisions que nous avons à prendre. Seigneur, protège-nous, car comme le dit David, nous pouvons facilement marcher sur une mauvaise voie. Mais si c'est le cas, Seigneur, ramène-nous sur ton chemin, sur ta voie. Nous t'en prions. Amen. J'aimerais, avant de terminer, vous rappeler donc deux annonces que je vous ai faites au début. La première annonce concerne la collecte de nourriture à 13h à 15h30, c'est-à-dire à 3h30 jusqu'à 4h30, et la rencontre des dames, la rencontre des dames qui aura lieu donc samedi prochain, c'est le déjeuner virtuel des femmes, samedi le 13 juin. Ce soir, rencontre de communion fraternelle par Zoom, mercredi soir rencontre d'études bibliques et prières par zoom je vais vous envoyer le bulletin en rentrant à la maison donc tout de suite euh, ce matin alors que le Seigneur vous bénisse et que sa paix repose sur vous dans cette période d'incertitude dans ces moments de défi dans ces moments d'épreuve le seigneur guide ses enfants c'est sa responsabilité c'est son engagement avec nous c'est lui le bon berger. Il nous guide. Et ça demande de la foi d'accepter d'être guidé pas à pas. Mais que Dieu vous donne et me donne la paix qui vient de lui. Bon dimanche et bonne semaine à chacun d'entre vous.